villes et dans les territoires, cette envie d'écrire une nouvelle page, cette prise de conscience citoyenne, publique, cette envie d'entreprendre est déjà là. La Biennale des villes en transition, c'est une thématique essentielle pour la Maison de la Nature et l'Environnement. C'est une thématique qu'on aborde tout au long de l'année. Ça fait partie de nos valeurs. On a mobilisé un maximum de nos associations adhérentes pour être présentes et pour porter la parole des associations de la MNEI et de toutes les thématiques qu'on défend tout au long de l'année. En réseau avec les acteurs locaux de la transition environnementale, mais plus largement sociale, démocratique. Ça fait partie de nos missions et montrer qu'on est là localement, c'est très important pour nous. Femmes Sauvages est un projet qui est mené par la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, conjointement avec l'association Jean Sienna. Ce projet contribue effectivement au changement de regard des citoyens sur une ville qui va devenir de plus en plus verte suite aux abandons de pesticides dans les espaces publics pour une ville en transition et plus accueillante pour la biodiversité. Aujourd'hui, elle n'est plus une option. Elle est une condition. La transition, ça fait 40 ans qu'on l'accompagne, on la pratique et on incite les gens à se déplacer autrement. C'est pas toujours facile de laisser sa voiture, on est bien conscient. Quelquefois, c'est juste quelques freins psychologiques qu'il faut lever pour se dire que oui, on peut faire autrement. Paysages de France veille à la législation du Code de l'environnement pour que la publicité ne progresse pas dans notre cadre de vie. C'est une balade de découverte de la flore urbaine. Même en ville, on peut trouver des plantes sauvages. Et ça, c'est aussi pas mal en lien avec le thème de ce week-end, qui est les villes en transition. Je suis Yannick, bénévole sur le projet de l'Orangerie de Grenoble. On monte un projet du coup sur la grosse thématique échange et partage des savoirs. Donc quand on parle d'échange des pratiques et des savoirs, pratiques dans le sens un peu plus atelier, outils manuels, faire avec ses mains, réparer, créer des choses. Et quand on parle de savoir, on a un partenariat avec la médiathèque de la Maison de la Nature et de l'Environnement. Et le but, c'est qu'elle soit beaucoup plus accessible grâce notamment à un café-restaurant qui rendrait le lieu convivial. Partout, cette alliance entre les acteurs du territoire et la puissance publique prend forme au nom du bien-vivre, au nom de la qualité de vie, du quotidien, au nom des solidarités avec les générations qui arrivent. Ce qui se passe ici à Grenoble donne aussi de la force et doit nous donner de la force pour penser et agir demain.